partie de la 13e conférence des ministres de la Défense des Amériques qui a été présidée par le Mexique pendant le cycle 2017-2018. Ça a créé un groupe de travail ad hoc qui a été appelé développement des mécanismes de coopération et de coordination au niveau des thèmes de la recherche et du sauvetage. Le 8 à 12 avril de cette année, nous avons matérialisé une réunion entre les ministres de défense des deux pays dans l'objectif de coordonner les travaux qui pourraient promouvoir le développement des forces armées d'Haïti et aussi de ratifier l'engagement du secrétariat de la défense nationale sur des sujets d'intérêt commun. Au niveau de la coopération et de la coordination internationale, l'agrégé Enrique Peña Nieto, président constitutionnel des États-Unis d'Amérique et des États-Unis du Mexique et commandant suprême des forces armées de ce pays, ont décidé qu'un des objectifs qui ont été atteints pendant son administration, qui s'est inscrit dans un plan de développement national, est de projeter le Mexique au niveau global et d'assumer des responsabilités à ce niveau. Et il a signalé aussi l'importance d'élargir le dialogue et la coopération afin de représenter une bonne opportunité de rapprocher nos institutions. De cette façon, le secrétaire de la Défense nationale nous permet de travailler sur des thèmes comme la protection civile, les droits humains, et aussi de pouvoir suivre et appuyer le ministre de la Défense de ce pays afin de coordonner nos efforts pour renforcer les forces armées des deux nations. Le Mexique a confronté différentes situations d'urgence et de catastrophe pendant lesquelles les forces armées ont travaillé pour protéger les citoyens et aussi leurs biens. Dans le contexte international, notre pays a appuyé de façon bilatérale différents pays et ont apporté de l'appui humanitaire. Comme les forces armées ont une grande expérience à ce niveau, nous avons pu le faire. De notre côté, les forces armées mexicaines ont développé un encadrement pour pouvoir travailler et respecter les droits humains et appuyer la question de genre. Et ceci devrait permettre le développement des troupes et permettre que les hommes et les femmes qui vivent et y participent s'appuient entre eux. Au cours du développement de ce séminaire pendant la semaine, nous allons partager les thèmes suivants. La protection civile au Mexique et aussi le PMNE3, le plan DN3E du secrétariat de la Défense nationale. Nous voulons aussi appuyer les droits humains et appuyer l'appui au développement des femmes. La nouvelle vision accompagnant la réactivation des forces armées d'Haïti après 23 ans de mise à l'écart fixe comme point central de toute action des forces armées d'Haïti, c'est-à-dire le bien-être de chaque Haïtienne et de chaque Haïtien. C'est là le symbolisme attaché à ce séminaire touchant la problématique de la protection civile dans une optique de respect, de protection des droits humains et de l'équité de genre. En effet, il ne saura être question de l'épanouissement de chaque Haïtien sans mettre l'emphase sur l'inclusion de plus de la moitié de la population, à savoir les femmes. Concernant les forces armées d'Haïti, je vous en donne la garantie formelle. Le quota sera respecté pour mieux asseoir cette nouvelle vision qui fait exigence d'œuvrer au bien-être de la citoyenne et du citoyen tout en gardant bien gravé à l'esprit les principes fondamentaux de la nation haïtienne héritée des pères de la patrie.
La redynamisation et le renouvellement de nos forces de défense sont donc l'une des pierres angulaires du socle de la nouvelle Haïti dont nous rêvons tous. Une Haïti belle et prospère, fermement intégrée à l'hémisphère américain. Monsieur l'ambassadeur du Mexique en Haïti, Monsieur l'ambassadeur d'Haïti au Mexique, chers amis mexicains, animateurs de ce séminaire, je vous saurais gré de transmettre une nouvelle fois nos remerciements à l'administration du président Nieto, au secrétaire général du ministère à la Défense mexicain, le général Cienfuegos Cepeda, et au peuple mexicain pour cette coopération qui est appelée à durer. L'accompagnement souhaité des militaires mexicains n'est pas le fruit du hasard. Il est dû à la trajectoire historiquement démocratique, professionnelle des forces de défense de ce pays. Attaché aux vicissitudes du peuple mexicain. En effet, elle a toujours répondu à l'appel dans les moments difficiles vécus par le Mexique dans les situations catastrophiques. Mesdames, Messieurs, distingués invités, en vous souhaitant bonne participation, je souligne que ce séminaire est un point de départ pour imprimer une nouvelle impulsion à la coopération militaire avec le Mexique. Les résultats de vos travaux et vos recommandations serviront de base pour l'enracinement de la nouvelle vocation de nos forces armées d'Haïti. C'est-à-dire au même titre que les livres blancs sur la sécurité et la défense nationale pour le développement économique et durable d'Haïti. Ainsi, je déclare ouvert ce séminaire sur la protection civile, les droits humains et l'équité du genre. Je vous remercie. Il va commencer au personnel dès aujourd'hui. Et nous allons travailler sur tout aspect que nous devons, nous devons commencer à couvrir la société. Par exemple, nous en sonore, hier nous avons, comme le gouvernement, soutien en communauté qui dit que les interdits activités de souris là jusqu'au 30 juin. C'est des activités qui troublent la paix publique, qui troublent le sommeil monde et qui ont un impact négatif sur la santé monde. Non seulement nous allons commencer, mais nous allons choisir en semaine pour décréter en semaine anti-nous en sonore. Et nous demandons aux gens, pas perdre de patience, recommencer le numéro, nous allons prendre plainte par ordre, et puis nous allons prendre une semaine, et pour nous intervenir pour les gens, en tous côtés, on a fait des bruits qui empêchent les gens de dormir. Quel que soit Grigolia, que c'est musique qui est trop fort, que sont l'église qui a fait trop bien avec Mounio, que soit Jean Bouyaïa, il n'est pas bon pour santé mon interdit et ne pas travailler contre lui. Même Jean Tour, nous avons une équipe qui nous va mettre dehors sous moto, qui pour aller identifier égout à ciel ouvert, et puis qui a des signaux by TBDC et la police pour nous veiller. Ça va passer parce que des fois, vous pouvez vous faire voler pour être là et aller vendre. Nous avons des listes de gens qui ont acheté à tout parce que nous allons arriver sur tout avec un comité gouvernement pour nous faire comprendre que si nous avons acheté un produit que l'État mettait pour sécuriser en société, là, nous avons des gens qui ont volé et qu'on est très bien côté de sortir. Ça, c'est les mesures que nous allons prendre. Nous allons établir un système tout le monde qui a contrôlé. J'aime d'abord ça les gaz pour pas dans le pays. Est-ce que nous avons respecté? Et nous connaissons tout, nous avons commencé avec des véhicules qui fonctionnaient avec gaz pour pas en Haïti. C'est le même qui a des années à faire, jusqu'à présent, il y a des incidents. Jusqu'à présent, il y a des machines qui ont des problèmes. C'est là que nous avons dit que nous avons interdit.
nous allons assurer nous que le bien fait et que nous pas exposer ni chauffeur ni passager. Nous allons recommencer le travail avec des plans de sécurité avec la police parce que pendant que je parle avec nous là, la police en réunion avec tout le commandant pour nous capable mettre un plan en place pour nous sécuriser. Nous avons demandé pour les haïtiens pour rester tranquille, calme, pour ne pas affoler. Nous prenons toutes mesures pour nous quimber la paix dans la ville. J'entends là, il y a des rumeurs par-ci par-là, mais des informations claires et précises, la loi poil sévit, n'a pas garanti la situation de tout le monde, nous avons besoin d'affoler. Mais bon message que nous toujours aimons bail. Nous-mêmes qui là, nous très avancés dans la technologie, il faut nous dire mon yo, que nous ne pouvons pas utiliser les réseaux sociaux contre le système dans le pays. Bon, il y a passé à quelque grave. Quelque grave. Quand mon yo a pris des photos de mon qui blessé pour mourir, et puis il a publié le ça, son manque de respect à cadavre là. Son manque de respect pour faire les gens qui sont victimes. Nous n'avons pas de problème avec l'information. Mais quand on véhicule, ce n'est pas bon. Il faut tout le monde comprendre que l'image, si on voit le bas, c'est pour qu'un bill. Si on voit un côté, si son monde qui est en difficulté, ou a demandé un service, ou qu'on voit le bas, l'hôpital, là, bah, la police, on ne peut pas publier. Publier, le ça, ou faire plus tort à mon monde. Parce que c'est grave. Quand on a un droit sur un accident, on a encore envie, au lieu de vous faire un secours, vous préférez prendre une photo, vous voyez. Alors, si vous prenez un nom de la machine, vous sauvez une vie. Donc, c'est des bagages. Nous-mêmes, nous là, non seulement nous là pour informer, c'est un gros travail, mais là pour nous former, mon tout. Former, mon pour nous déterminer un comportement, pour nous encadrer, pour avoir un meilleur comportement. Parce que, sécurité, quel soit le moyen gagnant, quel soit la mesure pour nous, mais chaque citoyen qui a contribué à la sécurité pour nous avancer. Si nous avons pour nous donner point, nous avons des rumeurs, bon, nous pensons que nous sommes tous là, toute notre société, tout nous traitons de tout, nous avons tout le monde, et que nous avons des annonces qui font par rapport à des troubles qui ont créé et par des groupes de monde qui veulent une instabilité dans le pays. Nous disons que ça n'a pas passé, ce n'est pas possible. Parce que le bureau ça, le gouvernement d'abord en son entier, CSPN ensuite, le bureau ça, la police après la d'arrache-pied. Nous parlons que d'ici la semaine prochaine, par contre, l'autre présence qui est renforcée de la police dans tout grand axe l'OSA et aussi dans tout territoire. Parce que c'est un plan pour déstabiliser le pays, disons, mi-octobre. Pas passé et que moi en tant que secrétaire de la sécurité publique on charge pour assurer la sécurité de toute nation d'un pays pour travailler tout acteur ça n'a pas passé parce que les pas logique les pas normal nous compte les et les hors la loi c'est vrai qu'on jeu démocratique nous avons un système démocratique mais quand il s'agit de craser, briser, on parle de termes qui pas de qui pas, je ne dis pas la bonne nom, qui pas logique dans le siècle qu'on y a là. Donc, on va nous garantir que le système nan, en son entier agit et a frappé tout ça et tout le monde qui comprend et qui a semé trouble, la troublée, pendant que il y a des gens qui ont des revendications justes. Qui travaille en paix, qui travaille en paix, ou même pas partir dans la mi-temps pour faire ce travail. Là encore, ma prête voix moi, à voir le gouvernement pour me dire que, ou même qui font un exercice démocratique, qui font une représentation qui est juste, il faut prendre pile précaution pour pas y avoir un monde qui rentre dans son affaire pour vous faire des ordres. J'ai un certain nombre fait déjà. Parce que l'État a la police de sécurité. Mais au même tout, qui prend responsabilité pour demander la police pour autoriser de sortir pour un cadeau, au même tout, il faut assurer que les gens vont faire des autres. Sinon, au même en premier lieu,
ou responsable de un citoyen victime, ou d'un magasin cassé, ou d'un cachet écrasé, et etc. Donc c'est là les grands points que je voulais parler avec nous matin. Hein. Et nous conscients aussi de l'accident qui fait un sous-gant à Soutéo. Nous conscients de cela. Nous allons prendre des mesures pour nous aider à couvrir au moins à 40% de axes nord et sud pour contrôler les vitesses machines et pour venir en aide à l'accident. Au cas où ça va arriver, sur deux axes, nous allons laisser couvrir de Port-au-Prince jusqu'à Saint-Marc et de Port-au-Prince jusqu'à Petit-Gouave avec pour les soutiens. Ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas couvrir parce que chaque commissariat, chaque département, il est responsable de comportement conducteur et de monde et de passagers de machines. Mais de manière plus concentrée, comme que deux axes très fréquentés, surtout les week-ends, on va laisser couvrir en attendant. Et on dit mon que même numéro là, fonctionnel, au cas où on accident sur axe, si on on assistance sur le champ, relayez le bureau ça, hein, ok, qui va relayer appel à la police avec l'instant hospitalier pour venir en aide à Monsaïo. Rapidement, ma paix, numéro, c'est 46 49 20 20, 47 13 20 20, 44 30 20 20, 49 07 20 20, 44 47 20 20 et 49 33 20 20. En parlant d'accident, nous allons relancer un contrôle un taxi moto. Nous allons faire une expérience pilote dans l'Ouest. Mais pour nous, là, commencer, nous allons concentrer nous sur trois communes. Pétionville, Delma, Port-au-Prince. Parce que le grand projet, comme des rappels, c'est au fur et à mesure qu'avancer à projet, on va qui fait que rien, qui est pour corriger, avoir été sur le territoire là. Donc, en termes de contrôle, la fait sur le territoire là, mais en termes de port gilet et contrôle avec la police là, on va mettre en face sur l'Ouest pour déraper le projet. Là. Donc, en gros, c'est même, c'est un drap que nous reprenons service par rapport à même problème que nous touchons. Et comme problème qui est nouveau, c'est l'affaire Gaspopane, que nous allons essayer de comprendre comment elle a fonctionné en Haïti. Mon drame, c'est de prendre dans la machine, en chauffeur, tout, parce que le film fait travail là, on va identifier qui côté qui a vraiment mis Popane dans la machine, quand on va dire chauffeur, sous besoin, sûr que l'a fait correctement à tel endroit. Même mesure qui met encore, affaire de sirène à gyrophare, faut suspendre net. Il a été clair que même machine service de l'État, pour bien sirène à gyrophare, faut ministre de tutelle l'a autorisé le gain, hein? Sauf si l'on protège. Mais m'a mette en lumière, en machine officielle, gain droit à sirène à gyrophare là. Pour machine service de l'État gagner, il faut qu'il en cortège. Privé à prendre avec. Surtout, location non plus. Donc, nous allons commencer à contrôler ça correctement. Et après, ça va former de tout ça qui a passé dans ce sens-là. Pour nous respecter que ça, la loi dit et qui circulaire que le Premier ministre Lafontaine fait sortir pour qu'il contrôle quelque chose. Je suis capable de dire que l'améliorer vraiment, parce que par rapport à jeune qu'on y est, le défunt dérapé, quand même quelques cas isolés, mais il faut s'en suspendre. S'en suspendre, on ne peut pas aller, on peut lever bonheur, pour aller côté, pour utiliser sirène, pas déranger l'homme, pour lever bonheur, pour aller dans l'activité, pour déranger la sirène avec gyrophare. On entre dans la période ou bien dans le moment de l'histoire, nous, et même dans l'histoire du monde, aide au développement par rien. Aide n'a pas les pays et assistance pas conduit vraiment pays au développement. Tout simplement, ce qui est important, c'est l'investissement étranger pour qu'il rentre dans le pays et qu'il s'accapare de contribuer à progrès et avancement. Et c'est là la logique ça, qui est derrière le discours président, c'est surtout parler à la communauté internationale pour lui dire mais ça l'a fait, mais ça te promet, mais ça l'a fait, mais les moyens sont peu. Puisque moi, je suis au Barampil, et bien, on a invité
notre pays, vienne garder marché haïtien, vienne garder Haïti, ça Haïti gain pour l'offrir et pour créer attirer investisseurs étrangers là caillou et pour créer richesse, pour créer emploi et pour au moins Haïti font pas vers l'avant. Voilà. Donc eh bien nous avons une invitation tout pas seulement au niveau aide là mais en même temps tout cas grand pile question qui a posé tout et communauté Haïti posé communauté internationale là plusieurs questions. Donc non langage tout à fait diplomatique par contre qui gens qu'on t'a décoder pour peuple haïtien qui a attendé nous et qui a regardé. Bon, bon c'est président pour c'est-à-dire qu'il y a un pile l'argent qui bat en Haïti comme aide, comme assistance, mais l'on cherche résultats, l'on cherche impact au parole. Mais le président pose une question, il pose internationalement une question. Nous dépensons toute l'argent en Haïti. Comment faire toute population par de l'eau dans le robinet? Comment faire nous parler courant partout? Il n'est pas seulement une responsabilité haïtienne, mais il fait tout pour nous poser des questions. Dans tout comme ça, on ne peut pas accuser le gouvernement haïtien ou bien du moins les autorités haïtiennes que c'est eux qui dépensent. Parce que je pense que qu'on est même gens avec moi, en pile ONG, en pile organisation internationale, en pile COP d'assistance qui vient, ils sont gérés par des organisations internationales, pas par le gouvernement. Ça veut dire que, le président a posé des questions ça, et pour le voir et pour le comprendre que même là nous-mêmes nous ne pas recevoir aide internationale pour le moment, mais elle veut montrer, mais ça le fait, et mais ça le réaliser avec si peu de rien. Et lui-même lui va demander aide, l'a demandé tout simplement avec ça me commence à faire, avec si peu de moyens que je gagne, m'inviter nous, venir en Haïti, venir investir. Parce que Haïti, c'est une terre d'opportunités. Il y a une possibilité pour investir et il y a une possibilité pour créer richesse, il y a une possibilité pour créer un partenariat avec l'État, avec le public, là, que au secteur privé. Et avec ça, pour nous avancer et pour nous faire payer à fond pas et même des pas en avant. En tant un magazine nouveau, mais chancelier haïtien tout neuf, ministère des Affaires étrangères. Donc on est ancien dans la diplomatie. Donc comment, qui premier point, qui premier pas qu'on va le faire avec quelle mission ça? Il y a une nouvelle mission que diplomatie a gagné, non seulement son diplomatie d'affaires qui pour chercher business et puis en même temps qui pour permettre, qui pour relever ce camp pays d'Haïti. C'est une question qui est importante. C'est non seulement continuer avec ça que tu as commencé comme réforme, mais au moins et venir avec une autre approche. Pour nous avoir un service diplomatique qui baille, qui réagit à temps et qui est rentable et qui aide les pays à le chemin à faire vers le développement. Parce que je pense que c'est un grand rôle important et pour la diplomatie à jouer. Et c'est ça, Madeleine, pour me faire et pour me contribuer et avec les valeurs qui sont disponibles au ministère et même dans les missions à l'extérieur, essayer d'identifier les valeurs et mettre à l'épreuve et mettre dans la place exacte pour y et pour nous bailler, pour nous chercher les résultats et pour nous joindre les résultats. Et je pense que c'est ça qui est important et c'est sur ça notre travail. Et à peine une semaine, à peine 10 jours là en poste là, et première gros activité, c'est l'Assemblée générale des Nations Unies. Et même, je pense que très bientôt, on va pouvoir aller dans le sommet de la francophonie. Et je pense qu'une émission, tout, c'est surtout vendre cette nouvelle image d'Haïti. Un Haïti qui part, un Haïti qui dépend de l'aide internationale. Mais on a dit qu'il veut sortir dans l'aide internationale, qui a ouvert plus vers l'investissement international. Pendant ce temps, on a travaillé nous-mêmes avec moi et pas nous pour nous faire les premiers pas. Nous n'avons pas prétendu de venir prendre nos marchés avec nous. Nous allons faire les premiers pas. Après partenaires internationaux, après rencontrer nous en route, j'ai plongé même à nous pour nous marcher ensemble. Voilà. Radio Télé-Guinée Abdou, merci, mais nous remettons. Dernier mot qu'on a dit à la population d'abord, haïtiens qui vivent dehors, haïtiens qui vivent dedans et tout le monde tout qui peut enclencher dans la bataille ça qu'on dit à la nouvelle politique ça. Bon, parce que une chose qui est importante pour me dire, c'est surtout à nos jeunes haïtiens qui malheureusement qui font choix pour aller dans notre pays et parce que le pays a peut-être pas offert ça au tavelé. Et je pense qu'il y a un problème, surtout ça qui est Chili, en République dominicaine, il y a un problème d'identité, passeport, etc. à chercher. Je pense que il méritait, comme on dit l'avant, pour m'excuser moi, au nom du gouvernement, et pour me baisser bien bas, parce que nous faisons faute, nous connaissons que nous n'avons pas doué dans la situation ça. Et je connais le gouvernement avec le président Bahia instruction dans ce sens-là pour résoudre le problème passeport ça.
parce que ce n'est pas possible. Et en ce qui a trait à la situation qui sortit Santo Domingo, et nous avons une commission d'enquête de développement informé qui est formée. Et décision prise, c'est pour rentrer, rappeler tous les fonctionnaires haïtiens qui proposaient un service passeport à l'ambassade d'Haïti Santo Domingo, rappeler en Haïti pour nous questionner, pour nous connaître exactement de quoi il en est, pour nous connaître des problèmes. Identifier les gens qui sont coupables et prendre les mesures drastiques pour tout le monde qui est rentré dans le bar, parce que c'est l'image du pays d'Haïti qui est sale. Et nous ne pas attendre nous pour nous accepter la sale image du pays d'Haïti à l'extérieur. On désordre qu'on s'est fait, nous allons identifier tout ça qui est impliqué et nous prenons mesures sévères contre eux. Voilà. Chaque fois que vous parlez de nomination enseignant dans le système, non, moi je marque un pile monde qui a un problème. Mais pas oublier. Faut que nous renforcer système là, de sorte que nous arrivions graduellement diminuer offre scolaire privée pour être capable offrir public là scolarité que mérité. Pays a gagné environ 60 à 65% l'école privée. Il va falloir que l'État investisse dans le système là pour permettre que nous capables absorber beaucoup plus d'élèves dans le système là. Peut-être ça, ça va demander plus l'école, ça va demander plus enseignants, donc plus nomination. Voilà pourquoi nous pensons que nous-mêmes plaidoyer c'est là pour nous faire. Doter l'État de moyens pour permettre que l'y construit plus l'école, pour permettre que l'innommer plus enseignants. Quoi avant c'est significatif qui fait en termes de nomination enseignant. Maintenant, il faut le travail sous qualité. Pour le travail sous qualité, il faut que un, nous renforcer le centre de formation initiale. Là, je parle de l'école normale d'instituteur. Je parle de l'école normale supérieure. Je parle de faculté qui versait dans la science de l'éducation. Organiser service d'appui pédagogique qui gagne en dans direction départementale, de sorte que vous capable planifier des séminaires de formation à l'intention de enseignants, renforcer l'inspectorat pour permettre que l'inspecteur planifie des visites de suivi, planifier formation, encadrer conseiller pédagogique, renforcer FACAP pour permettre que ça que nous avons cherché pour renforcer le système, non, nous faisons dans l'intérêt de la population. Sénateur Denis Cadre, s'il vous plaît, est-ce que vous avez un chiffre quantité enseignants qui a travaillé et pas nommé dans sa détention? Nous n'avons pas gagné pour le moment, même penser que le ministère, non, lui-même, n'a pas gagné un chiffre. Non, et s'il n'a pas gagné, nous demandons pour le fonds diagnostic pour que lui-même soit capable d'identifier combien d'enseignants qui sont dans la salle de classe, qui méritent nommer, qui peut nommer, pour nous garder ensemble dans le budget rectificatif peut-être pour déposer dans le Parlement, comment nous sommes capables de dégager une complicité avec le ministère là pour nous assurer que nous allons chercher de moyens pour nous mettre dans le même ministère pour être capable de faire domination ça. Sous question enseignants qui en dans la salle de classe, qui ne jouent pas les plus grands facteurs. Premièrement, est-ce que l'inventaire a été bien fait? Est-ce que Jean, sénateur Cadosso, dit lui, bon problème de formation, ou du moins bon problème de diplôme? Parce que Mounio, il prend un séminaire, il a une carrière, et en même temps, nous croyons que, il y a des gens qui dit, il c'est bon professeur. Parce que c'est eux qui, dans le temps, qui éduquent nous. Mais je dis, au niveau de l'éducation nationale, pour yon moun vin instituteur, yon demande deux bagailles. Un, faut gagner deux papiers ou plus ou moins philo, et en même temps, faut faire normalement comme instituteur. Ou bien, moun nan gen droit, li gen deux papiers yo, li sont universitaires, donc depuis le vle instituteur, la instituteur. Est-ce que vous comprenez? Donc, mais gen des moun dans le temps, yon pas demandé deux papiers pour l'être capable de gen normal là. Li gen normal là, li pas gen deux papiers. Et gagné pendant yon dans la salle de classe là, yon allé, yon dégagé, yon gagné papier filoua, mais yon pas de gagné normal là.
Donc ça, sénateur Kadou Sodia, moi c'est une évaluation, une considération spéciale. Kadou a parlé de 10 ans, il y a des gens qui ont 15 ans dans la salle de classe. Yo, ça y a fait, yo connaît. Donc il faut qu'on modus operandi pour connait entre nous comment on a résolu le problème. Ça. Et député, sénateur, ou quelle que soit autorité, là, il fait des marches, il fait des marches pour tout le monde. Mais tout le monde, non, pour enseigner, je dis d'aller, faut soit normal, normal comme instituteur, ou bien on est normal supérieur, ou bien on a un diplôme universitaire. Automatiquement, moun nan gen tout papier sa yo la main. Donc, quel que soit moun nan capable de faire des marches pour lui, parce que quelque part, nous-mêmes sénateurs, nous-mêmes députés, c'est nous qui avons ministre beaucoup plus qu'on l'autre. L'on fait des marches, c'est pas parce que je fais des marches pour ou pas de papier, non? Ou vin côté mou pas la veille, moins d'où, pour instituteur ou bien pour professeur, mais papier vous gagnez. Automatiquement, vous gagnez papier, c'est normal nous-mêmes qui nous voter pour ça, et puis nous faisons des marches là. Nous faisons des marches là, quel que soit pour directeur départemental, nous faisons des marches là pour coordonnateur, nous faisons des marches là pour instituteur, nous faisons des marches là pour quel que soit moun. Parce que moun kap vin côté nous, c'est ou même, c'est tout ratio que yo connaît que nous capables ouais un ministre beaucoup plus que nous que eux-mêmes et puis nous faire des machins à partir de papier. Vision de recette 2018-2019 là, c'est 56 milliards de gourdes. 56 milliards de gourdes qui ont été banon sous prévu sous et budget qui t'a déposé dans le parlement. Mais comme maintenant des présidents commission finance là et il dit que et budget pas de gâteau voté, les députés sont partis en vacances et que Kounia c'est et budget son budget rectificatif qu'a reconduit. Reconduit. Donc maintenant, si son budget est reconduit n'a bien et que le ministère des finances est déjà ba nous 56 milliards, moi pas connais si le ministère après réviser à la baisse, mais jusqu'à présent qu'a dou budget 2018-2019 là, c'est 56 milliards de gourdes. Mise en place pour atteindre l'objectif ça. Est-ce qu'on a kebe même méthode notée déjà parce que nous estimons le résultat ou du moins nous gain correction n'a porter là-dedans. Nous gain pile correction n'a porter pour la simple et bonne raison que nous va chercher élargir assiette fiscale dans d'autres secteurs d'activité. Okay. C'est parce que c'est pas même contribuable qui habitue payer, c'est pas là qu'il faut aller seulement. Faut aller dans l'autre champ qui a dormi. Nous allons faire des recherches et nous commençons à faire déjà. Nous allons mettre des stratégies en place. Nous allons arriver responsabiliser de certains agents dans chaque action qu'a mené. Et nous allons chercher challenge tout, côté que nous allons offrir des primes, d'accord, des primes d'efficacité et de rendement qui va permettre que les gens travaillent beaucoup plus et que nous-mêmes tout comme en tant que fiscaliste en tant que vérificateur, nous pas habitués à des bureaux, nous, parce que l'impôt est quérable. Nous autres, nous allons nous déplacer pour aller un petit peu partout à travers le pays pour aller regarder qui activité qui a mené, qui est ce monde qui est assujetti, qui est ce monde qui est supposé payer. Nos directeurs départementaux également ont un rôle par rapport au jeu et tout, et que tout le monde qui est supposé payer a payé normalement. Le monde qui n'a pas de revenu pour payer n'a pas de problème, mais ça pas dit pour autant que parce qu'on n'a pas de revenu, on n'est pas capable de produire déclaration définitive d'impôt sur le revenu, même s'il t'a soldé à une déclaration néant. Nous déjà identifié de contribuables et réfractaires de monde qui pas voulait déplacer, nous déjà identifié. N'a pas cherché yo, si nous t'a déjà identifié, faut me t'a taxé yo. Beaucoup jeune yo, mais n'a pas cherché yo, au fur et à mesure n'a pas venu, n'a pas taxé yo, n'a pas rentré dans le système noir et puis qu'on a pour capable arriver effectivement et vinn jouer rôle yo parce que en principe c'est graisse cochon pour qu'une cochon, c'est tout le monde qui pour contribuer pour faire payer marché. M'a pas de tout contribuable yo pour vinn mettre main dans patte là. Pour venir contribuer normalement et que ce sont des citoyens. Nous avons des contribuables de bonne foi qui ont l'habitude d'accord de payer leurs taxes et impôts comme ça se doit et puis pour continuer dans le même élan et puis l'autre monde qui pas de payer yo n'a demandé pour venir d'accord n'a pas recevoir à bras ouverts pour venir payer normalement et c'est pas l'heure que m'pral débarquer là car un contribuable pour moi il était 5 ans que il pas jamais fait déclaration, il pas jamais payer taxes et puis kounya pour moi appliquer la loi contre moun ça et m'pral mettre moun dans situation côté que il pral payer des amendes et des intérêts de retard côté que laisse ça l'a vinn faire des démarches m'pa capable prendre des machins en considération parce qu'il pas prouvé bonne foi li en tant que contribuable. Une Fauverret fait partie de 20 communes qui dans l'ouest yo. Nous de Port-au-Prince à Fauverret n'a prend nous gagne 14 km pour prendre pour arriver 14 km. Donc et jodi a la après 2004 23 mai 2004 nous avons constaté que situation commune Fauverret très difficile.
parce que pas gen route du tout. Commune nan ville la crasé, route la passe nan galette de l'eau. Donc depuis on ti la pluie tombé, son catastrophe. Moi même en tant que mairesse commune, nan fait tout ça qui dépend de moi. Des fois m'oblige prend moun à bourette appel pour faire passage, mais gen des série de gros la pluie, par exemple dimanche soir on la pluie tombé, actuellement là faut jeune 40 à 50 machines qui déjà bloquées dans l'eau. Ça qu'a passé, mais ça pas qu'a passé tout tourit là. Par une situation en bloqué parce que il y a plusieurs ravines qui ont de l'eau. Donc, route là, passer dans la ravine. Nan. Et pour aller à Tiot, pour aller en Sapit, pour aller à Belance, et pour aller à Gangosier, c'est dans la même route pour passer. Donc, là où ça a un problème, c'est environ 5 communes qui sont bloquées. Dans le département dans le sud-est. Dans le sud-est, c'est-à-dire toutes les communes sont bloquées, les gens peut-être dorment là, dans de l'eau. Des fois, ils appellent les magistrats et c'est nos plus proches populations. Hein? Naturellement, c'est nous vraiment pour les relais, mais nous pas qu'à faire rien vraiment pour eux. Ça nous fait comme action. Normalement, nous gagnons l'odeur, mais l'odeur là, c'est pour CNE lié. Donc, actuellement, là, en panne. Là que l'odeur ça en manche, nous obligés de temps en temps, chaque après la pluie, nous passer dans la route là, bien que ce n'est pas travail ça le café vraiment, mais c'est ce nous gagne, nous passer dans la route là. Actuellement là, il est en panne. Nous pas faire rien. La route là bloquée comme ça, c'est l'État central qui pourta venir nous coûter. Mais parce que en réalité, nous sommes communes agricoles. Pommes de terre, choux, carottes et latrier. Tout produit ça c'est dans Fauverette sorti. Par exemple, nous avons constaté que yo dit qu'est-ce qu'on fait pomme de terre, chou, carotte. Mais nous même produit ça yo, nous baillons à 95% dans quoi bossal, soit quoi bossal, quoi des bouquets. Donc si on semaine passée pas gain accès à route, ou attendre qui valait problème quoi bossal et quoi des bouquets gagner, marché yo pas vraiment qui produit là-dedans pour mon acheter. Donc c'est ça fait l'État central t'a supposé voyez yeux garder commune ça. Catastrophe ça a produit par la suite que déboisement forêt des pins parce que forêt des pins en grande majorité c'est dans commune dans lié. Mais pas vraiment gagné par exemple ministère de l'environnement lui-même, il travaille par l'alfel à 40% parce que il mettait des agents en roi qui pour bail qui pour faire supervision dans forêt. Mais nous même la mairie tout nous gagne des séries de brigadiers qui pour faire. Mais autrefois que c'est constant qu'on a gardé plusieurs machines planches qu'on a descendu dans la commune mais nous même nous pas comme magistrat. Pendant nous magistrat ça pas qu'à fait encore. Mais ça pas empêché que catastrophe ça a été déjà qu'on fait déjà, ça pas empêché que de l'eau descende depuis qu'on s'il a pu de l'eau descendre route bloquée. Donc tout le monde c'est dans galette doit y monter monté bloqué depuis Thomas et après on finit quitter Gantier ou prend fond parisien on vient jeune Thomas donc dans commune Gantier donc depuis moi rivé Thomas moi link machine non m'obligé retourner parce que pas gain accès du tout pour monde passer dans route là. Donc présence sur matériel il dit que ça une revendication oui il y a une revendication parce que n'a constaté même dans budget qui passe yo voir pour ça qui ça pral gen là commune Fauverette pas mentionné dans budget donc les affaires budget yo pas contacté collectivité yo si yo te contacté collectivité yo quand même nous t'a dit mais qui problème commune ça gagné donc nous t'a paraît dans budget l'état donc yo t'a prévoir un bagage pour commune donc budget ça a toujours passé dans mes députés dans mes sénateurs donc commune Fauverette yo pas prévoir rien pour lui. Parce que normalement, si nous avons si Fauverette pour refléter dans le budget d'État, nous avons dit que c'est relocalisation ville Fauverette. Donc, dans la relocalisation ville, nous avons besoin de route. Parce que quelque chose à côté, il faut faire route pour que capable de circulation qui fait. Tout récemment, là, tellement oublié comme une autre. Août qui sont passés là, on dimanche, il y a une tornade qui passe dans la commune. On a saisi que, après la tornade, il y a 37 familles qui ont écrasé. Moi, j'ai contacté le ministère de l'Environnement, rien n'a pas marché. Moi, j'ai allé dans la protection civile, rien n'a pas dit rien. Comment tu as fait comprendre que le pays a fonctionné comme ça? Côté que, il y a une tornade passée, une tornade sur catastrophe naturelle. Donc, c'est même genre un cyclone qui passe dans le pays, c'est même genre avec une inondation qui passe. Donc, on pile moun victime et jusqu'à présent, que moun yo pa gen côté pour yo dormir.
nous-mêmes ça nous capable faire pour eux nous faire mais pas vraiment un gros bagage qui fait et 14 septembre qui s'est passé là c'était fête patronale ville ça nous t'ai une solidarité 20 communes l'ouest yo qui t'ai allé rendre nous visite yo t'ai porté tol bois pour mon yo mais ou capable comprendre si on ca écraser tol la bois seulement pas faire au moins ça qui gè toiture qui sorti yo nous ba yo bois tol yo fait une amélioration mais ca écraser net yo nous pas faire nous fait projet nous déposer rien pas marcher al dans protection civile yo dit nous pas gagne rien dans protection civile. Donc nous faire en tant que magistrat, c'est pas parce que nous pas connait mission nous. Me passer la chose, c'est parce que m'a vinn plaigner. Donc parce que nous connait travail, nous connait ça nous ka faire, mais c'est parce que nous pas gagne moyen ça. On commune côté que et pas gagne entrée, pas gagne vraiment entrée parce que depuis ville écrasée, dans qui sont ka faire cob en tant que magistrat non commune, c'est dans CFPB. C'est dans impôt locatif ou ka faire, mais tout kay ça s'écraser mon yo al construit dans des séries de monde l'on pas arrête côté yo même l'on pas arrête ou expliquer yo avec taxe yo mais ça qu'a fait dans commune là yo dit son ville qui écraser d'ailleurs yo tout secouri n'importe au précieux arrêté yo tout secouri donc ou pas gain moyen là fait soit faire avant tout pour que ou vienne demander yo payer taxe donc pas gain rentrer dans commune là là ouais bagay faux commune nous pas ca joindre pour nous faire projet écrit projet donc pour faux verrette puis gros projet font mériter son gabionnage mais nous gain 2 ans là depuis nous écrit projet à nous pour courage nous font commune donc pour expliquer actuellement là il y a un problème machine qui dans rivière une rivière 1 2 3 qui sont appelés concrètement normalement 1 nous gain connait que nous pas capable nous pas capable faire route rapide pour nous, nous pas dit ça du tout, mais nous besoin des matériels qui pour aller, qui pour faire nettoyage dans rivière là pour machine capable passer. Parce que c'est ces communes, l'orgue c'est commune. Nous route là pour tout passer, on pas besoin de quantité machine qui passer dans route chaque jour. Puis gros problème nous c'est route là. Parce que hier en pile machine bloquée, depuis dimanche soir en pile dormi dans l'eau. L'eau ça descend, même ma machine yo là aller. Donc en pile machine et presque chaque semaine nous enregistrer plusieurs accidents côté 5 6 7 monde qui mourit. Tout dernièrement là nous avons 30 monde qui mourit dans une seule commune. Mais accident pas vraiment fait dans route là. Route avant machine arrivé fond parisien. Depuis machine arrivé fond parisien parce que route là pas bon. Imagine machine descend matin bonheur, il est pas capable de faire service parce que route pas bon. Et puis machine n'a tombé, tout le monde qui était dans la machine, ça c'est 30 personnes mourir. Petit politique patriote rassemblé pour sauver la caille, Parasol, a condamné à toute force. Zach, tentative d'assassinat que vous faites contre secrétaire général, parti politique RDNP et aussi à la fois homme d'affaires, qui est propriétaire Père l'Éternel Bolette, qui c'est monsieur Éric Jean-Baptiste. Non seulement parti politique Parasol, condamné Zaksa, la profiter occasion pour le voir sympathie by tout sympathisant et partisans RDNP, tout bon parti politique ça, et aussi by toute famille, amis, monde qui travaille avec M. Éric Jean-Baptiste, pendant que le souhaitait non d'elle qui pas trop loin, que la police, la justice a mené bon enquête pour arrêter malfra ou bien équipe malfecte ça, donc pour vous juger normalement. Pour ça qui concerne la gouvernance pays, le parti politique Parasol, toujours fidèle avec lui-même, comme un parti politique qui a fait campagne avec le président Jovenel Moïse et qui toujours supporté l'action du président Jovenel Moïse, a profité l'occasion de aujourd'hui pour dire président Jovenel Moïse, le pays a un problème. L'inacceptable président Jovenel Moïse pour le ministère de l'Intérieur. Youn ministère dans tous les pays du monde qui est le plus respecté, qui a quelques mètres de palais national, et je ne dis pas tout nos zones de non-droit. Monsieur le président de la République, Parasol a rappelé que nous-mêmes, comme parti politique, nous faisons allégeance à la constitution pays. Nous faisons allégeance à la déclaration universelle des droits de l'homme avec toute loi qui gagne dans la République. Là. Nous faisons allégeance à l'article 19, 22, 35, constitution 29 mars 1987.
qui dit que le peuple a besoin de caille pour le rester, manger pour le manger, l'école pour le voir petit lit, la santé et la trier. Mais nous dit le président de la République, parasol, on laisse 7 points avant même qu'on ait choisi M. Seyan comme premier ministre. Les 7 points, ça qui est la donne. Intégration mon handicapé. Les 7 points, ça qui est la donne. Pour nous tenir compte des madans Sarayo qui tombent sous nos camions chaque jour, qui ont abandonné des paysans, des petits machins, des chauffeurs motocyclettes, des jeunes, jeunesse pays qui ont perdu l'espoir dans le pays. Les 7 points toujours debout. Parti politique parasol a demandé côté l'autre parti politique, yo. Côté leader, yo. Est-ce que nous la seulement pour aller à l'élection? Est-ce que nous la seulement pour demander l'argent pour parti politique? Est-ce que nous la seulement pour créer intégration pour demander job en bas? Parti politique parasol a demandé si les partis politiques toujours dans le pays, puis suspendre crier pour zo, puis assumer responsabilité, yo. Puis défendre cause population haïtienne. Majorité médecins sont pas présents. Service d'hygiène vient livré avec interne et absence de plusieurs infirmiers là-dedans qui cause que pas qu'à gain service. Donc ça son manque de leadership. Et n'a demandé à ministère de santé publique pressé pour prendre une décision pour le voyer un directeur médical dans tête l'hôpital général qui a sens. Parce que dans l'état pays là il y a ou pas qu'un seul hôpital général comme plus gros centre hospitalier et universitaire dans le pays, parce que depuis la population a gagné un problème. Et tout l'autre hôpital périphérique, c'est l'hôpital général qui a préféré malade matin, midi, soir. Et toute province, tout territoire pays. Donc l'État central n'a pas qu'à quitter l'hôpital général dans l'état ça, dans l'état de l'abonnement, ça pas qu'à gagner un service qui baille à la population. Et nous avons tout profité pendant la conférence de presse là pour nous demander à la population pour accompagner le syndicat dans la bataille que nous avons menée pour l'hôpital général qui arrive à service avec la population. Et là, on vient dans l'hôpital là, pas qu'à joindre soin, qui est allé dans la presse, les radios, télévision pour dénoncer ça qu'a fait l'hôpital général là en façon pour l'état pays. Autorité ministère de santé publique pour prendre responsabilité pour faire l'hôpital général fonctionner, parce qu'on pas qu'on l'hôpital non capital mais palais national à quelques mètres de l'hôpital général par exemple qui arrive par service avec mon population haïtienne qui a fréquenté l'hôpital là. N'a regardé hier gain accident qui vient là non matin pas gain au niveau service d'urgence n'importe 7 moun blessé grave dans accident, pas gagné même un interne sur les lieux pour prendre ce malade. Ça c'est inacceptable parce que dans temps ça n'a plus là et faut dirigeant et pouvoir central yo dit qui politique yo gagné au niveau de la santé dans niveau national parce que l'hôpital là pas arrêté dans l'état ça et si on allait ORS Opération Soleil Résistance, nous-mêmes militants conséquents, Timachan, professeurs, vaudouisants, pasteurs, organisation des bases et la trier. N'a tout profité, dit PM Jean-Henri Seyan, bienvenue dans tête gouvernement pour bon Jean plan développement ou bien pour pays. Pendant que nous pensons pour le pays nous, Haïti chéri, nous demandons au gouvernement pour ne pas oublier la commune Cité Soleil dans le plan de développement. Nous avons rappelé PM Jean-Henri Seyan pour sortir de la matrice peuple. Nous pensons que la Cité Soleil après si sorti dans la crasse. Je dis à Cité Soleil apporter cahier doléances li by gouvernement. N'a di ou quelques points qui important pour commune Cité Soleil. N'a demandé pour nettoyer canal yo et puis kire yo. 2. Réhabilitation l'école nationale là qui crasé depuis l'année
3, nous demandons pour venir faire des terrains football yo, qui pas jamais qu'a fait là, qui pas jamais qu'a fait là. Cité Jean-Claude ak terrain dans projet l'intro DA. 4, nous demandons pour réhabilitation place fierté qui pas jamais fait qui n'a plus gros bidonville qui n'a pays a. Et nous demandons pour l'état voisin sur l'hôpital Sainte-Catherine avec l'hôpital Chapi qui est l'état négligé. 5, nous demandons pour faire route dans la première et deuxième section communale noire. Ça veut dire premier et deuxième varie. 6, Cité Soleil a demandé création d'emploi pour jeunes filles et jeunes garçons. 7, nous avons demandé l'aide nomination pour professeurs qui a travaillé dans des lycées Cité Soleil depuis quelques temps. 8, nous avons demandé pour réintégrer employeurs Cité Soleil qui révoqué pour cause politique dans l'administration de l'État. Tant coup, affaires sociales, APN, CAS, Intérieur, EDH, SMCES, Ministère Sport et Latrier. Dans ce sens, sa, si Cité Soleil a voyé un pinga par le gouvernement, pour nous dire, après 3 années de la paix, nous demandons accompagnement de l'État pour nous kembe la paix à Pidjam. Pour nous finir, nous demandons au député Pierre Lemaire pour lui dégager pour mettre Jean-Jacques. Fois ça, pour Cité Soleil, sorti dans tout problème, ça y est, nous société là. Parce que le gouvernement, ça, c'est le gouvernement pas lié. Pour le gourmet, pour les revendications sociales, ça y est, passé. Parce que c'est peut-être ça, peuple Cité Soleil, qui est sorti en masse à le voter. Pour nous, tu es bail Cité Soleil, nous avons l'autre image. C'est pour toute raison, ça y est, nous-mêmes, habitants qui vivent dans la commission de soleil, nous faisons gros cri ça pour le gouvernement qui attendait voir nous pour accompagner le député Pierre Lemaire pour nous joindre une solution à tout problème nous sommes cité là. Vive Haïti chérie, vive Cité Soleil, maman nous, merci. L'un des problèmes qui... Depuis le commencement, nous frustrés, faut pas nous travailler parce que nous sommes compétents pour ça.